Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous débuterons cette émission par la correction qui s'est opérée sur les cours, suite bien sûr à l'amélioration des conditions climatiques aux États-Unis. Nous resterons ensuite en Europe où la météo reste pour le coup capricieuse, avec toujours peu de pluie annoncée. Nous tenterons ensuite de comprendre les importants mouvements de l'euro avant de s'intéresser à l'éclaircie qui touche actuellement les cours du sucre sur le marché mondial. Cela ne vous aura pas échappé, les cours des céréales ont connu une phase de correction cette semaine. Pourquoi ? L'explication de cette détente se trouve du côté de la météo. En effet, le retour du temps sec sur les États-Unis et le Canada a permis aux producteurs de reprendre la moisson après quelques jours d'arrêt. Désormais, ce sont 49% des maïs qui sont récoltés sur la Corn Belt américaine, ce qui, inévitablement, apporte de la pression sur les prix. Au Canada, la neige a fondu, mais la question de la qualité reste toujours dans les têtes. Enfin, c'est en Ukraine que les échos de rendement sont les meilleurs, avec une récolte de maïs tout simplement record. L'estimation de 31 millions de tonnes qu'affiche USDA devrait donc être dépassée, ce qui explique la baisse significative des cours du maïs sur le bassin mer Noire. Désormais, le maïs ukrainien est le moins cher du monde, ce qui suscite un réel intérêt de la part des acheteurs européens. Les mois se suivent et se ressemblent en Europe avec une météo toujours très sèche. Entre non-semis et retournement de surface, l'incertitude reste entière sur les emblavements de colza. Désormais, c'est au tour des céréales de subir les caprices de la météo. Le manque de précipitations perturbe les travaux de semis, mais c'est surtout la levée du blé et des orges dont il est question. S'il est encore trop tôt pour être alarmiste et pour parler de baisse de rendement, les prévisions météo ne sont tout de même pas rassurantes. Si, comme annoncé, aucune pluie ne s'abat dans les 7 prochains jours, la situation pourrait être alors très critique. La parité euro-dollar continue de faire le yo-yo et évolue au gré des déclarations italiennes. Alors que la question de la dette et du budget reste dans tous les esprits, l'agence de notation Moody's a abaissé d'un cran la note de l'Italie. La situation reste donc fragile, même si les perspectives économiques sur le moyen terme sont plutôt rassurantes. De plus, le compte à rebours est lancé pour le Brexit, qui devrait apporter son lot de surprises. À quoi vont aboutir les négociations? Comment vont s'organiser les échanges? Tant de questions qui n'ont pas fini d'apporter la volatilité sur la monnaie unique. Plus 23%. C'est la hausse des cours du sucre à Londres depuis un mois. Alors si ce chiffre fait tourner la tête, n'oublions pas que les cours du sucre partent de bas. Ce changement d'orientation s'explique par la révision à la baisse de la production brésilienne, mais à l'heure des arrachages, la situation européenne pose également problème. Le service de surveillance européen vient de réviser sa prévision de rendement betteravier dans l'Union européenne à 73 tonnes par hectare, soit 3% de moins que la moyenne des 5 dernières années. Si vous appréciez ce JT, n'hésitez pas à le faire connaître au maximum autour de vous, à vos amis, à vos collègues. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.